mode histoire. Allez, on continue. Ça, on a déjà fait. Mahmoud, on a fait. Là, on est le club de striptease. Bon, apparemment, il y a des trucs un peu hauches dans le club de striptease. On y va. Ragnar, j'ai pas eu le temps, je suis désolé, mec. Bon, allez, on fait le club de striptease, les gars. Oh, la meuf, elle l'étrangle. Ça promet déjà, Théma, ça promet déjà. Je vais kiffer. Allez, on y va. Manu, ça t'arrive de draguer? Plus trop. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, attendez, parce que ça, on avait déjà fait. Allez vous faire foutre, vous êtes ta famille, laisse tomber, allez jouer. On avait fait allez vous faire foutre, donc je vais pas refaire le truc. Parce que quand tu dis allez vous faire foutre, quand tu dis allez vous faire foutre, tu te fais soit. That's the right option. Well done. You avoided a horrible well done. Death. Allez. Quel jour faut-il aller dans un club de striptease? Un mardi calme. Boom. That's right. Tuesday there's going to be less people. Often she's forced to work on these kind of off nights in order to work at the weekend and make loads of money. And so it's a good opportunity to sit down. Allez, apparemment, apparemment il y a des culs dedans. Because the place isn't. Tu vas la jouer en mode sérieux? Mais bien sûr que non. Qui est-ce qui joue à ce jeu en mode sérieux? Jean ou pantalon doux? Pantalon doux, comme ça elle peut soft sentir trousers. Mon érection. I haven't heard of this one. Yeah, so a friend of mine, Dave in New York, told me this. He said that the girls often complain if you wear jeans because they're kind of rough to the touch. So if they're dancing and rub their legs on the jeans, it's obviously, you know, problems. Good tip. Good tip. Allez. Attends, super séduiseur dans un club de striptease. On est là pour mater des culs. Par contre, draguer en mode de, en boîte de strip, les gars, meilleure manière de se faire plumer tout votre oseille. C'est réel la culture du strip aux USA, grave. Approchez la stripteaseuse. Allez s'asseoir et lancer un regard à la stripteaseuse qui te plaît. Citer une phrase de Projared pour montrer que tu respectes les femmes. Lui mettre une fessée pour attirer son attention. Demander à la stripteaseuse combien son faux cul et ses faux seins lui ont coûté. Moi, je dirais, le pire, allez lui mettre une fessée directe. Parce que ça, c'est la baffe dans la gueule et tu te fais vider direct par les videurs. Mais on va le faire parce que c'est ça quand même. C'est pour ça qu'on est là quand même. Hey baby. Uh oh. How you doing? Ah Roger. Ouais. Roger. Oh, mec, je vous l'ai dit ou pas? Exactement ce que j'ai dit quand même. Exactement ce que j'ai dit qu'allait se passer. C'est ma main pour claquer les culs, il a dit. See, that's the reason they have bouncers in strip clubs. Yeah. Because the guys often think that they can, yeah, they can. Ah, excusez-moi. Touch and stuff. And you can't. No. Je comprendrai jamais ça là, ce qui se passe là. On voit les habitués, bah oui, ça m'est arrivé, vraie vie. Approchez la stripteaseuse, allez s'asseoir et lancez un regard à la stripteaseuse, s'il vous plaît. Si t'es une fois, hein, demandez à la stripteaseuse. Bon, on sait qu'on va pas faire ça, allez, on essaie. Approchez la stripteaseuse. Il a mis une veste et un v-neck. Le mec est pas là pour rigoler. Hein. Veste et v-neck en général avec pantalon de jogging et chaussons. J'aime beaucoup son style pour aller en club de striptease. Veste, v-neck. Jogging, chaussons. J'aime beaucoup. Have you just arrived? Yeah, not long ago. How are you today? I'm pretty good. How about you? Wow. Fantastic. Le script est incroyable. In this case, yeah, it's a little bit weird because you're approaching and then you're not going to have a dance and it's like, well, why were you approaching me? And yeah, so better to let. Excusez-moi. Her make that first step. Yep.
My name is Amber. Oh, elle s'appelle Ambre. Nice. Grosse surprise, Ambre. Nice to meet you too. Sortir ta bite pour lui prouver que tu as un bien meilleur stripteaseur. On sait que c'est on va même pas regarder les autres. Listen, I'm sure you're a fantastic stripper. Very beautiful, sexy girl. But I think I'm better. Check this out. Look. Oh my god, look guys, what a pencil dick. Come. Oh my god. What the fuck are you doing? Bitch. Fuck you all. L'autre, elle a mis un maillot de bain. This is harassment 101. This is harassment 102. And that's accepted. Établir un lien en lui disant que le nom de stripteaseuse de ta mère était aussi Amber. Dire, écoute chérie, on sait tous que c'est pas ton vrai nom, alors arrête ton baratin. Ce nom est trop mignon pour toi, tu devrais choisir un nom plus coquin. Lui demander pour quelle raison elle a choisi ce nom de scène. Allez, on demande pourquoi. Years ago, I had dated a dancer, and she told me that she chose her stage name because it had some special meaning to her. It had some spiritual connection. So, did you choose the name Amber for any special reason? Yes, I did. When I was a child, my granny gave me an amber necklace. So okay. Amber means a lot to me. And that's why, because it was from your granny. Yeah. Okay. That's a nice story. Est-ce que ta grand-mère était une strippeuse aussi? Yes. Great idea to use the word stage name. It keeps it professional. As opposed to stripper name? Stripper name. Not so good. Not so good. And I think it's a nice name. Je trouve que c'est un beau nom. My favorite type of stone. Ah, actually, it's not a stone. It's fossilized tree resin. Oh, interesting. Hey, il connaît lui, hein? Lui dire que tu aimes son nom parce qu'il est subtil. Lui raconter des trucs intéressants sur l'ombre. Lui demander si elle a déjà sucé pour de l'argent. Ben, Amber, c'est pas super, donc je pense que t'as bien choisi. Oh merde! Il lui dit c'est pas terrible, du coup ça te va très bien. Lui demander si elle a déjà sucé pour de l'argent. Bah oui, forcément. Listen, babe. Do you suck dick for money? What do you think? I'm not gonna suck your dick. Maybe your sister's gonna suck your dick, hein? Maybe you can be my sister. Yeah? Elle lui dit peut-être que ta sœur, elle va te sucer la bite. Et lui dit, oh, peut-être que tu pourrais être ma sœur. What's wrong? Je sens qu'on va avoir une réponse rouge. It's a very rude question, obviously. Pourquoi? Rude and sleazy. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il lui donne du... Allez, lui dire parce que pourquoi on aime son nom. Je sais que vous avez les sous-titres. Too many girls are too full on. And I prefer something more real. And I think you're more real. Am I wrong? Yeah, you're right. Bah oui. Forcément. Very nice answer. You know, a lot of dancers have less subtle names, let's say. So Amber's quite a nice one. So why not compliment? Comment il se fait yesh lui là? Let me guess. It's your first time here. I can tell. No, I just came. I'm waiting for my friend Mahmoud. He should be here. In oh, Mahmoud qui va débarquer! Allez, fais venir Mahmoud là, qui lui dise, qui lui donnera des chameaux en échange de son cul. Te faire désirer en lui disant qu'elle ne t'intéresse pas. Mon vrai nom c'est Richard, mais mon nom de scène c'est Rivinda. Je m'appelle Richard, mais tu peux m'appeler Dick, la grosse bite. Merci, Bauer Bilb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 
Elle en a réparti. Ouais, Magla. Comment ça va, jolie Magla? On essaie de serrer les meufs. Apparemment, je m'y prends pas trop bien. Te faire désirer en lui disant que tu n'intéresses pas, lui dire que ça ne regarde pas en plaisantant. Boom. That's none of your business, actually. I think I don't know you well enough. But maybe later. It's a shame. A little bit risky. It's a shame. Maybe not the best. Are you a banker? Tu es banquier et tu travailles clairement dans une banque ou dans un grand bureau. Je peux dire à ta veste en coton et à ton pyjama et tes chaussons. Ah ok, ouais, il est youtubeur et streamer. Mais c'est quoi Twitch? Srabel sait ce que c'est. Oh, on va serrer ce soir, Magla elle arrive, ça y est. On va serrer. Lui dire de s'asseoir à côté de toi. Lui dire qu'il vaudrait mieux pas, parce que tu vas éjaculer dans ton pantalon. La laisser s'asseoir sur toi pour voir ses seins de plus près. La laisser s'asseoir sur toi pendant un moment, puis lui dire qu'elle t'écrase les couilles. Théma, elle. Elle a mis un soutif en dessous d'un maillot de bain. Ils ont eu tellement peur qu'il y ait un dérapage, ils ont dit « Ouais, ton maillot de bain c'est pas mal, mais mets un soutif en dessous. » Un soutif à paillettes en dessous de ton maillot de bain orange. Au cas où. Merde. Alors, D. B. What the fuck. Éjaculation ou écrasage de couilles, les gars. C'est une de ces deux. Tu vois des détails, Manu, bah oui. D, B, D, 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 B, 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 D. Bon, on est obligé de faire D, les gars. Vous avez dit D en majorité. Listen, ça m'écrase un peu les burnes. Sorry. Ouais. Il lui a dit avec ton, avec ton cul osseux. Par contre, elle a une belle poitrine. Yeah, it's okay. Ah, c'est... Désolé. Tu m'as écrasé les couilles. That could be funny, right? That could actually be funny, yeah. It could be funny with a stripper. It depends how she takes it. Yeah, that's true. Yeah. Don't be upset. Nothing personal. Don't you like my body? Don't you like my body? Ça, c'est technique classique de faire en sorte que la fille ne pense que, te pense que tu es pas intéressé et prouver un peu ta manière d'être dominant et du coup faire en sorte qu'elle revienne en disant mais tu me trouves pas bien? Tu vois, lui faire manquer un peu de confiance en elle pour pouvoir prendre le dessus, lui dire « Mais si, t'es bonne meuf !» Lui dire qu'elle est belle, lui dire qu'elle est trop grosse, merde. Lui dire qu'elle est sexy, mais que c'est l'ensemble qui compte, pas que l'apparence. Lui dire qu'elle vaut mieux que la vie de stripteaseuse et la sauver. Ah, ça c'est classique aussi. Classique, classique, classique des mecs qui vont en boîte de striptease. Qui essayent de dire aux meufs, ouais, c'est une technique de merde, Magla. Qui essayent de dire de meufs qu'elles perdent leur temps, que les mecs pourraient l'aider à s'en sortir. Alors que, comme dans le porno, les trois quarts des meufs qui sont stripteaseuses, elles kiffent, tu vois ce que je veux dire. Elles font leur oseille en faisant un truc qu'elles aiment bien faire. Bref. Mais classique, 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 et très triste d'ailleurs. Don't save her, she doesn't want to be saved. Exactly. Lui dire qu'elle est sexy. Boum, on va faire As. Of course you're very pour une sexy, fois, on va prendre le truc. Je lui paye une pizza et je lui paye Don't Starve Together. Pour jouer avec moi. Ouais, ouais. Ouais, Bear Ninja, comment ça va, mon copain? Sex is so much more powerful when you have a deep connection with someone. Yeah, I'm also looking for a deep connection and it's very important for me. Oh putain, Ben, je te suce. This is a great way to start. Ben, je te suce. She probably gets approached by the way she looks quite regularly.
Exactly. So saying that you want something more is quite intriguing, and yeah, I think. Je te suce, Ben. Same with modeling, I guess. You don't want to be recognized only for your looks. Putain, Ben, t'es un dieu. Tu sais, je travaille avec toutes ces belles filles et ces hommes qui me regardent. Ça m'excite vraiment parfois. Oh. Let me ask you something. Yeah. What was the best sex you ever had? Avec ta maman, lui dire puis changer de sujet. Lui dire qu'elle n'a jamais vraiment pris son pied si elle n'a pas couché avec toi. Trouver un moyen de lui parler de sexe. Mais elle vient de commencer. C'est quoi cette réponse? C'est elle qui a commencé. Je comprends pas le jeu ou quoi? C'est elle qui te demande, c'est elle qui t'en parle. Et après, réponse, trouver un moyen de lui parler de sexe. C'est elle qui te parle de sexe direct. Allez, B, direct. Listen, Amber, you ain't know nothing about good sex until you had this dick right up inside you. I will know. And no one will. Je me connasse. J'ai mal au cul. Might be true though. Depuis qu'il s'est fait casser la teub, il fait des massages à des gros renois. It's not proper English either. So maybe that's why it didn't work. Potentially. Grammar problems. Grammar. Bon, je suis très curieux de cette réponse. Best sex I ever had. Oh god, I think it was this girl I dated, she's called Margaret. Margaret. She just had this amazing ass and I was just. Salut toi. Comment ça va? Gonna be great, you know. And we got back and I was like, okay, sex time obviously, but we have to do it doggy style because your ass is amazing. I take off her thing and she had this little pussy, like looked so nice. Just bent her over the bed, bang bang bang. Bang 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 pendant 15 minutes. 15 minutes, reaching around, grabbing her boobs. Not as nice as your boobs. C'est 10 de plus que moi. And she's like, yeah, 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 give it to me. Oh, love it like that. Amazing. And then super les détails de l'histoire. Change a few positions. In the end, she sucked me off. It was so cool. I don't know if that's the best sex I ever had, but that's one of the best ones. Mec, meuf, si tu demandes. Et que tu veux pas entendre la réponse, demande pas. C'est ça qui m'énerve dans ce jeu. Tiens, ouais, toi. Si tu demandes et que tu veux pas entendre la réponse, demande pas. Generally, when you meet confident women that can bring up the subject of sex or talk about sex, you don't want to shy away from that because that exactement, Racta. You just can't handle yourself or she's too much for you. Exactement, Chickens. Conversely, you je don't want to get really into it. So it's kind of c'est dégoûtant ce que tu dis, meuf, tu lui as demandé. In this environment, for sure, and more generally too, is the la bonne réponse c'était bien sûr. Je n'aurai jamais le meilleur sexe jusqu'à ce que toi et moi on fasse l'amour. Tant que toi et moi on fera pas l'amour. Je ne pourrais pas savoir ce que c'est le meilleur sexe. Une connerie comme ça, tu vois? Un truc de bobo. You know what? I study business. Oh yeah. And I want to have my own business in the future. Ah ouais, tu veux avoir ton propre business? Tu veux streamer sur Twitch aussi? C'est cool ça. J'ai un pote. Alors là, tout de suite ce que je lui dis. Je lui dis. Ah ouais, tu veux streamer sur Twitch? Parce que moi j'ai un pote qui bosse chez Twitch et. Si tu le suces, tu t'es affilié direct. Attends, je te donne son numéro. Il s'appelle Ben, tu vas le kiffer. Mahmoud ! Bonne année, le gros baiser, Roby. La base D du bro, direct. Direct. Mec, de toute façon, on le sait tous, hein. Tu vas être affilié chez Twitch, faut sucer Ben. Point. Bah oui. Comment tu voulais que Roby soit affilié? Partenaire direct même. Roby, c'est comme ça. Hein. C'est pas pour son skill aux jeux vidéo, on s'en bat les couilles de ça. Roby, il allait. Oh, 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 boum. Allez, lui dire qu'elle n'a aucune chance parce que ce n'est même pas une bonne strippeuse. L'encourager à lui dire qu'elle peut y arriver.
Lui dire d'être plus précise. Bon, ça c'est relou. On va lui dire d'être plus précise. Salut toi. C'est pas très Twitch friendly ça. Je vais me faire ban à cause de ce jeu. Manu, t'as baisé combien de femelles cette année? Alors, ce brûle BG, hein, je t'adore. Mais s'il te plaît, n'utilise pas le mot femelle pour les femmes. S'il te plaît. Et un peu de classe. That is selling this, that is that popular, that makes that much money. Really, really precise. You know, I want to be on Twitch. I want to be one of the top 100. Find out how many subscribers that means. And then you need to go backwards and find all of the steps that would take you there. Make each one very clear. And then you break it down. J'ai déjà reporté ta chaîne. Bah, il y a Ben qui est là, il est déjà en train de faire ce qu'il faut là. And constantly be moving towards your goals. Un gros tournage bientôt. Really bah, toujours, mec. Really precise. Always know what c'était bien avec Jaina hier. Oh, c'était trop bien. More likely to achieve your goals. Oh, that's really good advice. Anytime. Thank you very much. Eh hey, mais la discussion qui est partie en couille là dans un strip club. Mais mec, tu veux déjà t'es allé draguer dans un strip club, la vie de ma mère, elle va prendre toute ton oseille, le fais pas s'il te plaît. Le fais pas, ta carrière sur YouTube et Twitch en géopardie. Salut Ghosturax. Dire ouais, je veux bien une danse. Appelle-moi cette fille. Kiffant. Allez, c'est parti. C'est lui dire d'aller voir d'autres mecs pour gagner de l'argent, puis de revenir te voir. Je veux juste celle-là, parce que je veux voir... Oui, je veux bien une danse. Tu peux demander à ta copine là-bas. Hey, you know what, I think it's about time for a dance. But not from you, Yuminga. Look, these two girls, that's who I want. Why don't you go and be useful, go up there and send them over. Got there. Okay, I will. Yeah, thanks. Here we go, look at these. Yeah, come on, girls. Come on, girls. Come sit with daddy. Yeah, lovely, look at you. Oh, you as well, yeah. Bien. Oh, le bruit. Huracan. Huracan. Le sosie de Johnny Hallyday qui fait des Huracan. Elles ont tout appris de ce mec-là. Man, this is no fun. What about my dance? I didn't even get a dance. Double coup de coude abdominal, really good, magnifique. Yeah, I'm not sure how he thought this was going to work. Didn't work. Yo Manu, oh yes, super séduceur. Allô Mahmoud, Mahmoud. Allez, c'est parti, allez. Hey, you know what? You're a good girl. We could have one dance. Let's not do it here, though. Huracan. Yeah, let's go. Come on. Je ferais trop bien le sosie de Johnny en vérité, si je voulais. So our strip club experts in New York actually say that it's all right to have some dances, but they're quite rich, so that's all right. And then our guys in London who don't like spending so much money, they say you don't need to. So it really depends. You can do it both ways. Obviously, if you've got loads of cash, fine. If you haven't, doesn't it take you out of, you know, you're not there on a professional. Ça me rappelle Sandre. Ouais, moi aussi, j'y pensais tout à l'heure. C'est qui ce mec, en fait? À la base, c'est un YouTuber streamer. Ouais. Tu le connais, Ben, au fait, lui? Parce qu'il est legit. Il est sur YouTube et il est sur Twitch. Mais c'est le jeu, il doit faire de l'oseille s'il il arrive au troisième, là. You're generous. Bisous, Walou. Physically, but it's a yeah, dodgy, mm-hmm. Potentially. Are you always here, or do you have a chance to travel sometimes? I do travel sometimes, yeah. Mito, Mito. What's your favorite place? My favorite place is Cyprus. Mito, ça sent la Roumaine à plein nez, ça. Okay, ça sent la, ça sent la Roumaine qui s'est fait embarquer dans un strip club en Allemagne, obligé. Mito, you know what? Have you been et il paraît qu'à l'époque elle s'appelait Jacques d'ailleurs. Oh. En roumain, Jacquescu. Jacquescu. Tema, elle a un peu un visage quand même. Vous voyez.
Elle voulait pas dire Chypre, elle voulait mes chibres, je te jure. J'en ai morvé. Découvrir son vrai prénom. B, lui proposer de partir en vacances quelque part. C'est lui demander si elle a de la cocaïne, bien sûr. Listen, baby, this whisky is a bit weak. Ouais, t'as pas un peu de So you coca, ma chérie, got parce que j'ai envie de me some, faire ban sur Twitch. White girl? Yeah, you got some? Look, I know. Yeah, just wait. Our Mon security cadeau is mon cadeau so d'adieu, good. C'est Go and get him. Go on, then. Putain, eh hey Ben, si t'es encore là, je t'aime, mon frérot. Ben, c'est le génie de la lampe. Ben, c'est le génie de la lampe. Tu fais un souhait, tu le frottes un peu. Bah oui, on sait très bien que dans les strip clubs, il n'y a pas de coke. Arrêtez un petit peu. C'est comme dans le porno. Oh, ça tourne pas la coke dans le porno non plus. Viking North Gamer, I love this game, bro. I love this game. This dude is a god to me. I love this game because clearly, I'm going to tell you the truth. He knows it's ridiculous. He knows he's pushing. He knows he's doing shit that, you know, people are going to look at him as a douchebag. But he still does it, and I respect that. T'en as déjà pris la cocaïne? Non. Mais je vois pas pourquoi tu dis ça, mec, jamais. Lui proposer de partir en vacances avec elle. Découvrir son vrai prénom, bien sûr. Faut pas aller trop loin non plus. Jenny, ça fait encore plus, mais... Et là, je lui dirais, bah non, finalement, je vais taper Amber. Finalement, je vais taper Amber. Jenny, T'es le Carlouche qui regarde la caméra en traître. Kind of protect her from stalkers and you know being on that personal Tema, level. Tema, il now, sait pas quoi faire, mais je regarde où, je regarde au loin, je regarde la caméra. Kendall Jenner like qui est dans Jenny, le coin. Actually. What do you mean? I'm not gonna say yet, but don't worry, it's something good. Caramel, non caramel, so, c'est mon vrai prénom. I'm gonna tell you what's on my mind. Okay. Oh. Merci Valente pour les 3 mois, 73,450. T'es déjà allé en strip club? Alors c'est ça qui est très drôle. Je vais vous dire un truc assez drôle. Je suis le mec en mode malaise à 1000% quand je vais dans les strip clubs. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise d'être là assis, regarder une meuf qui fait des strips, mettre de l'oseille. Une fois, j'étais invité à un anniversaire et c'était dans un strip club. Et c'était la meuf dont c'était l'anniversaire. Elle travaillait dans ce strip club. Elle avait invité pas mal de monde. J'arrive là-bas. On nous avait assis. Et y a une meuf qui vient, qui se met à danser. Et moi, j'avais de l'oseille dans la poche. Et elle vient danser devant moi. Et ça me met mal à l'aise de la regarder. Là. Tu sais, ça me mettait... En plus de deux choses. Un, elle était super bonne. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est de la ken. Mais c'est comme si t'emmènes ton gamin dans un magasin de bonbons et que tu lui dis, par contre, tu regardes, tu touches pas le bonbon. Tu mangeras pas. C'est dégueulasse. C'est quoi cette histoire? C'est un truc de ouf. Donc, un, premier malaise. Deux, mec, elle est là, elle danse, elle me regarde et je me dis, mais merde, mais bouge, viens pas danser devant moi. Du coup, je mets un billet de 20. La meuf, elle sourit, elle prend un billet de 20, met le cul dans la tête, mais elle reste devant moi, je mets un autre billet de 20. Mais casse-toi! Je me rends compte que c'est pas la bonne technique. Vous voulez que la meuf bouge, mettez pas d'oseille. Parce que plus je mettais, moi, pour qu'elle se barre, plus ça restait, forcément. Je me suis fait bolosser de pas mal d'oseille ce soir-là, d'ailleurs. T'es mal à l'aise parce que tu t'es rendu compte que c'était Madame Smolik. Eh hey, mais Sweezy, la mémoire que t'as, enculé. Quelle mémoire d'enculé tu as. Je te jure. Money please make a scene with the girl in black dress and red dress. I'd love that. Développer, lui offrir un cocktail au bar. B, lui raconter une histoire de chat. C, lui raconter la fois où tu es allé chasser le renard. Mais non, 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 ça je peux pas, je veux pas. Allez, on lui offre un cocktail. Je veux pas parler de chasser, tuer des animaux, je peux pas. En parlant d'animaux, putain, ma meuf, elle m'a baisé hier. Hein. On va avoir un autre animal là, elle m'a rendu ouf.
If you're ready for a break, why don't we go have a drink? I'll buy ouais, you c'était drink. Il y a un peu, yeah, il y a 10 ans, 15 ans. I'm still waiting for Mahmoud, but he's really late. So. J'attends toujours Mahmoud, mais viens, on va boire un verre. What's your favorite cocktail? Un beau petit boulet, là. So moving the action to the bar, la ferme nice. S'agrandit. Kind of like mec, you know, you're in this je vais vous montrer le truc qu'elle m'a fait. Okay, let's go over there together for a moment. Elle m'a dit, j'ai un... Elle m'a dit, j'ai envie d'un truc pour la Saint-Valentin, je veux que tu m'offres ça. And what should we get? Whiskey sour? Why not? Attendez. Hey man, can we get two... Je vais vous montrer le truc qu'elle m'a fait lui offrir pour la Saint-Valentin, je suis vraiment un gros canard. Ah merde. Attendez. Mais là, ça va être trop... Non, attends, un tout petit peu plus quand même. Voilà ce qu'elle veut pour la Saint-Valentin. Et comme un connard, j'ai dit oui. Comme un connard, j'ai dit oui. Eh, c'est une petite chèvre, ouais. Une chèvre naine, en fait. C'est le truc qui va pas grandir. Et comme je suis un gros canard, j'ai dit oui. Par contre, je me suis bien fait sécu hier soir. Pardon. Allez, on retourne sur Super Séduceur. Thanks very much. You know what? Actually, I like living in the city, but sometimes I miss my family back home. Oh yeah, you're all alone here. Yeah. That's quite hard, right? Because you come like to be an independent. Après, je lui ai dit. Ah merde, putain. Après, je lui ai dit, je vais t'acheter des, des mini chèvres tous les soirs. Yeah, it's really difficult. But still exciting. Elle ressemble à quoi ta chérie? C'est juste une bombasse. parler de tes passions et dire clairement ce que tu attends de la vie. B, partir du principe qu'elle veut baiser et aller droit au but. C'est honnêtement, j'ai juste envie de jouer aux jeux vidéo et de baiser des filles, tu comprends? D, dire que tu es très flexible et que tu ne cherches rien en particulier. Bon, je pense que D, ce serait la bonne réponse, mais ce serait pas drôle de choper D tout de suite. T'as complètement arrêté le X. Mais non, j'ai jamais arrêté. Pourquoi tu penses que j'ai arrêté? Partir du principe qu'elle veut baiser, aller droit au but. Honnêtement, j'ai juste envie de jouer aux jeux vidéo et baiser des filles, tu comprends? Allez hop! I really like two things. I like playing computer games. I like playing Bloodborne, Dark Souls, Street Fighter, Monster Hunter, all that. But I also like fucking girls. So really, I just have this fantasy. I'm just playing the game. It's just sucking me off. And then, déjà you fait. Know, I'm playing it and bumming her. Stop talking bullshit. I'm gonna punch you in your dick. In my dick? Yeah. You could do that, but I know some ancient secrets and I can just suck my balls and you dick don't in. Know. Wait, let me do it. I'll suck my balls and dick inside my body and then it won't hurt. Wait. Nothing. Nothing. Don't do nothing. What? Barman. Try. Keep trying. Our drinks, dude. Is that it? You give up? Weakling. You wanna try? Hey, y a des trucs. Come. Call me Iron Dick. Iron Dick. Appelle-moi Bite de Fer. Bite de Fer qui nettoie les chaussures quand même. I think that there's honesty and then there's honesty. Il a pris du Tony Glandil, ouais. T'as quoi comme téléphone? Un iPhone X. Allez, dire que t'es flexible et que tu cherches rien de particulier. I'm happy to tell you all about that, but you know this is only date number one, so why don't we wait for date number two and then I'll tell you everything. Oh. Okay, fair enough. Oh. Pretty much describes me, like I'm not too bothered about stuff, but I understand that it's not that. Ils ont connu à Los Angeles ceux qui ont fait le jeu. Take it till you make it. Yeah, well, je crois pas, non. Be, je connaissais pas jusqu'à ce que vous m'en parliez, les gars. Ils sont très attirés par les hommes déterminés. Qui dit je sais pas ce que je veux, je sais really pas. Like tu vois, c'est pas faux, il dit pas que de la merde. Non, il dit pas que de la merde. Actually, I'm quite hungry. Well, why don't you order something? You want some food? I'm not gonna eat when I'm working. No? Ouais, parce que ma dress, ma robe, elle est trop serrée. I like Italian food, like pasta maybe. Ah, really? Oh, elle est en train de lui dire, invite-moi à manger. Yeah, my granny, she lives in the south of Italy. She makes amazing pasta, fresh pasta sauce. Sorry, if I talk about it, I'll make you even more. Ça m'étonne pas qu'il soit en partie italien, lui.
Lui dire, écoute, je suis chaud bouillant, et si tu me suçais dans les toilettes? A, bien sûr. Lui parler de ce que tu aimes manger. B, un peu relou. C, je crois que je suis amoureux de toi, tu veux être ma petite amie? Un peu trop rapide. Lui proposer de vous revoir autour d'un dîner pendant un jour de congé. Bon, bien sûr que c'est ça la réponse, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'emmener bouffer cette pute? Humour, je précise. Jenny, you know, I'm so happy we met, and I think we have this beautiful connection. So would you say you come fuck me off in the toilet? Just a quick BJ. J'adore la meuf. You up for it? Yeah? Ah! Cheers. Ah! What's up? Je suis choqué. Tu m'as vraiment déçu, hein. I thought you were a good guy, but je croyais que t'étais un bon gars, mais en fait. You're just an asshole. Oh non, hein, c'est dégueulasse de sucer des bites, hein. Ah non, nous on fait pas ça en Europe de l'Est. Hey babe, how you doing? Hey bébé, toi aussi tu veux me you sucer? Comment il enchaîne? You busy? Hey, t'es mal l'autre? Just watch you for a bit, and I'll go to the toilet. Hey, mais ils ont eu du budget pour mettre des loup-boutins sur les meufs ou quoi? Oh, this is abhorrent behavior. C'est vixen.com ou quoi? Yes. Agreed. Bon, allez, lui proposer de vous revoir autour d'un dîner pendant un jour de congé. I've got a good idea. One night when you're not working, we could go out for a nice dinner. Il faut que tu fasses un raid sur le stream de Dame Dame, elle essaye la ASMR. Bah non, finalement. Juste parce que tu demandes, ça m'intéresse pas de le faire en fait. C'est marrant les gens qui viennent me dire faut que tu fasses un. Bah non. Tu vois, c'est con parce que si t'avais pas demandé, je l'aurais peut-être fait à la fin de mon stream. Maintenant que t'as demandé, ouais, pas cool en fait. Je préfère, c'est un peu comme tout, je préfère donner à ceux qui demandent pas, tu vois. Oh. We should keep in touch. Il faudrait quoi? Bah oui, tu viens l'inviter à bouffer! Bien sûr qu'on va regarder en contact là, qu'on va garder le contact. Putain, mais c'est quoi ce jeu? Merci Cochonou, t'arrives pile poil Cochonou de rejoindre la team Canada à partir de maintenant, nous sommes frères! Oh, prochain niveau, forcément! Alors attendez, on fait une petite pause. Vite fait, d'ailleurs le gars hier, méga doué au piano et guitare. Ouais, c'était stylé, hein! C'était stylé, merci! Long long was taken! À partir de maintenant, nous sommes frères! Tu as déjà passé la scène dans la boîte de nuit, Manu, tu vas rigoler. Quelle boîte de nuit? Parce que là, on vient de faire la boîte de striptease. Merci, merci, putain! Barbenko! Qui rejoint la team Canette? À partir de maintenant, nous sommes frères! GG! Putain, les copains! 753 subs! C'est la première fois que je suis aussi haut. Ça déchire, les amis. Merci, 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 merci pour tous vos subs. On est bien. Putain! Allez, route sur les 800! Route pour 800, les gars! L'actrice qui joue dans le prochain niveau est géniale. Ok. Ouais, c'est la première fois que j'ai 1653 frères. Aussi, n'oubliez pas notre chaîne YouTube Manuel Ferrara TV. Cliquez, cliquez. Abonnez-vous sur notre chaîne, c'est gratos. Ça vous coûte rien. Nous, ça nous fait super plaisir. Aussi, on a le nouveau highlight qui est sorti. N'hésitez pas à aller checker le nouveau highlight parce que c'est une tuerie. Barre de rire. Et à la fin de ce highlight, on a un message pour vous tous. Manu, le barbe blanche du stream, il a 753 frères. Fils, frère, ouais. 753 frères, pourtant tu viens du Nord, Manu. Pas de bâtard. Allez, on y retourne. Super séduceur, à toi. Ah, c'est ça là, la boîte. Ouh, la tectonique de retour. So, what do you think of that bomb we got? Wow, tu penses quoi? Il est joli, t'aimes bien ma robe? J'ai une robe boule à facettes, regarde! T'es ma sa robe, on dirait qu'elle est faite en ça! Regarde, regarde! You know? Bon, look at ma... Regarde ma robe, on dirait une boule à facettes!
Merci Scooby-Doo dans ton cœur, ça fait trop plaisir, merci beaucoup de rejoindre la Team Canada à partir de maintenant, nous sommes frères. Fille de gauche est sympa. Genre, oui, par contre, celle de droite, pas terrible. Mais tu rigoles ou quoi? T'as eu ta période tectonique, mais bien sûr que non. Je pense, beb. T'as avancé vers un mec. Oh putain, ce coup-ci, on va jouer le rôle de la meuf. On va jouer le rôle de la meuf. Je vais draguer un kemé. C'est la première fois que ça m'arrive, tout ça, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. T'avancer vers un mec et attraper sa bite pour montrer qu'il domine. Avoir l'air énervé comme si tu voulais te faire désirer. Sourire beaucoup et scruter la pièce. Demander à voix haute. Et alors, où sont passés les vrais mecs? Wow, où sont passés les vrais mecs? Allez, on va attraper une bite, c'est la première fois. On va le faire. What is wrong with these men? Mais c'est juste qu'il y a un seul mec. Ah non, il y en a un au fond. Ah, il y a le Franjo derrière qui danse. Vas-y, attrape sa bite. Vas-y, attrape. Vas-y, attrape sa queue. En plus, il est déjà avec une meuf. Eh, hey, vas-y, viens voir, viens voir, viens voir. Eh, hey, hey, copine. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle veut, bébé. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, elle m'attrape la bite. Bébé, fais quelque chose. Sauve-moi, sécurité. Non, me touche pas la bite. J'en peux plus. Me touche pas, j'en peux plus. Non. J'ai touché sa bite. T'es mal, comment il avait mal, le mec. Like that one. I think you can find a bit more of a classy, sophisticated way. It's not ladylike. C'est quel genre? Eh, hey, mais la oula, 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 oula. L'autre, ça faisait 2 heures qu'il essaie de serrer la meuf à la table. Rien se passe. Il y a une meuf qui lui attrape la bite. Il fait non, non. On dirait une actrice porno japonaise. Mec, laisse la tripoter le skeg. Putain. Mais oui, c'est ça Dark Shadow. Moi, ça m'arrive. Il y a un de vous qui aurait dit, mais non, arrête, s'il te plaît, me touche pas la bite. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Bon, maintenant, elle aurait pu le faire un peu plus délicatement que... Fatality. La meuf, c'est canot, mec. Avoir l'air énervé comme si tu voulais te faire désirer. Demander à voix haute. Et alors où sont passés les vrais mecs? Ça c'est la meuf bourrée. Mais alors, ils sont passés où les vrais mecs? Y'a pas de vrais mecs ici? Yeah. Et on sait tous que danser le verre en l'air, ça c'est toujours bien. Je l'adore elle, c'est ma préférée. Mais il y en avait un juste là avec sa veste rouge. Théma, comment il s'éclate lui? Théma, comment il s'éclate lui? Wouh! T'es un vrai mec toi? Sors ta bite! Si t'es un vrai mec, vas-y, sors ta bite! Si t'es un vrai mec, vas-y, sors ta bite! Ouais, c'était un vrai mec et que t'as envie de me kev. C'était un vrai mec, sors ta bite. Eh, hey, mais là, tu tires au-dessus de la tête là. Regarde, là, clairement. Ah, c'est parce qu'il y avait une pomme, j'avais pas vu la pomme. Bon, ben, sourire beaucoup et scruter la pièce alors. Bon, c'est beaucoup moins fun. Ah, t'es mal comme un souris. Oh, c'est la première fois que je suis une meuf et que j'ai cette pêche des mecs. Allez, vas-y, copine. Oh, il me regarde, lui. Je crois qu'il me regarde. Je vais faire genre, je suis en train de super kiffer ma soirée. Allez, viens, ma chérie, on va faire un peu. On va se repoudrer le nez dans la salle de bain, si tu vois ce que je veux dire. Looking to be approached more will kind of look every time someone new comes into the bar. They'll make eye contact more and they'll be less interested in their friends and more interested in what's going on in the venue. They'll be wanting to be more open. Ils font n'importe quoi, je te jure, c'est vrai, ouais. Be in the center of the room so they can be approached more. Mm-hmm.
Jean-Michel DJ au platine, je te jure. Eh, le dance floor est incroyable par contre. Guetta, il a changé son style de musique. Hein. Les mecs essaient de se modeler au goût des femmes, ils n'ont rien compris. Les vrais hommes, c'est ceux qui choisissent une femme, qui partagent leur vision de la vie. Ah, c'est ça, ok. Merci Gnomage de rejoindre la team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. You're so funny. Thank you, Cocoon. Allez, on y va. Tu tournes vers ta copine. T'ouvrir aux gens dans la pièce. T'asseoir sur le tabouret, écarter les jambes. ban Twitch instant. Ah, t'es mal à la gueule qu'il y avait. Ah, on a vu sa culotte. On a vu sa culotte encore. Hey, Twitch, je vous jure. Attends, je vais mettre la souris comme ça, ça la cache. Comme ça, vous voyez pas. Si je mets la souris dessus, vous voyez pas la culotte. L'autre, t'as bien de lui dire, et j'ai besoin d'aller chier. Faut que j'aille chier. En plus, c'est une meuf classe. C'est ça que j'aime bien. Juste la musique, elle me met tellement bien que... On a tous connu un mec quand il dansait, il mettait les doigts en l'air comme ça. Vous connaissez ce mec-là ou pas? Ou les mecs qui tapent qui mettent des coups de poing dans le vent. Moi, j'étais le mec au lasso. Oh, elle, je la vois. Elle en boîte, je l'enchaîne, mais de ouf. Le moment où elle a mis sa patte dans la bouche, j'arrive et je lui dis le truc de dragueur. Je lui dis alors, paraît que t'aimes sexy, les petits trucs sexy. Dans ta bouche. Anyway, yeah. Ça totally tombe bien. Ouais, gros malaise. Te tourner vers ta copine. T'ouvrir aux gens dans la pièce. Bah, t'ouvrir aux gens dans la pièce, bien sûr. Quel son, putain. Ouvre-toi aux gens dans la pièce. Oh, t'es mal, lui, comment il en kiffe. Mec, ils ont pris le plus petit mec de la République tchèque pour le mettre dans la boîte qu'avec des grandes meufs de filles de l'Est. Obviously, there's a physical aspect, so often women will stand kind of non, Youssef, looking at each other, en dehors du boulot de ma meuf, non, je kenne pas d'autres meufs. More approachable, more visible. And also you can pay attention to their feet. Mais comment il se fait yèche, lui. Il se fait yèche d'une force. And if they're very focused on each other, Schuffle they probably are less likely to want to be bothered in Merde. That moment. You learn something new every day. J'adore ce son, putain. Criez au feu pour dégager la piste de danse et éloigner la concurrence. Chante fort. Réajuster ta tenue et tes cheveux. Faire le twerk contre ta copine. Ah oui, je veux. Pardon. Excusez-moi, tu m'as eu à twerk. Tout le monde voulait faire le twerk, hein. Allez, twerk, 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 twerk. Twerk, 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 twerk. Wow, ce passage de caméra devant le verre, c'était trop beau. Manu, tu sais twerker. Eh, pour moi, twerker avec le gros pétard que j'ai. Eh, je l'adore, elle. Hein. Elle est à fond dans son rôle. Hein. Elle est à fond dans son rôle. Hein. Charlotte, I think we need the female point of view on this one because
I don't know, do you twerk on your friends, your female friends? I don't, surprisingly, I don't know. Je prends des notes pour céréales, je te jure que c'est vrai. To be fair, le twerk de Manu, c'est un hélicobite. Mais ça va ensemble. Dès que je commence à bouger mon huc, ma tub, elle se met. Quand je voyage, d'ailleurs, c'est ça que j'utilise. Hein. C'est ma tub. Je suis un peu le Mary Poppins du porno. Sauf qu'au lieu d'utiliser un parapluie, j'utilise ma tub. Bon, allez, à demain. Qui a trouvé mieux qu'Audrey Bitoni, les gars? Ah bah, il y en a beaucoup bien mieux. Allez, crie au feu. Réajuster ta tenue et tes cheveux. Allez, on va faire les gens bien. On va faire la meuf classe. La vérité, je la trouve très très jolie. C'est pas c'est qui la plus malaisante. Je crois que sa copine, elle est jolie aussi, mais elle met un peu malaise. Le temps que ça a tourné, si elles ont dansé pendant tout le tournage, elles ont dû être crevées à la fin. And I think if they're flicking it off their skin, if they're trying to show more skin, is this a good one? I think so. Oh, le BG! Hi. Hey. How are you? How are you? Hey, ça va, ouais. What's your name? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Louise. Ah, le nom de ma grand-mère. Ah, c'est trop beau. So where are you from? From England. Oh, I'm from Israel. I'm always La grosse surprise. Always. Enfin, je me comprends. I really like your dress. Ça me fait penser à la boule à facettes. Oh. You look like a really nice girl. Ah ouais? Eh ben, eh, le malaise. Et ça alors, mon copain là, c'est quoi ça? Why? Why not? Here, put it in. Utilisez la technique du partenaire de danse invisible d'Adam Lyons. C'est qui Adam Lyons? C'est qui Adam Lyons? Entrepreneur and businessman, he's the founder of the Zebra, an insurance company. What? Bon. Je suis très curieux de ça. Allez. On va danser avec quelqu'un d'invisible. Can I give you a test? Sure. Yeah, it's just to test your coordination. Yeah, okay? Why not? Okay. Phone in your pocket. And this. Okay. Hands like this. And you're going to copy me. Okay? You go 1, 2, 3, 4. Really fast, up to 10. Okay. Try it. 1, 2, 3. Okay. Now you do it with your eyes closed. Keep them closed. Up to 10, okay? La meuf, elle m'a perdu, j'ai fait demi-tour, je suis reparti draguer sa copine. Ah bah, elle a fait l'inverse. Et là, je vais sur elle. Eh, c'est pas la meuf du bureau, elle? C'est la meuf du bureau, ça! C'est la meuf du bureau! Mais tu vas pas m'arnaquer! This is my friend Adam Lyons' move. He has a dating business called Psychology Hacker and YouTube channel and stuff. And we worked together, I don't know, about 10 years ago in London. And he showed this really funny move and good way to get rid of a guy in this situation. But you could also use it as a man in a dating situation with a woman just to have a little bit of fun. C'est pas mal. Mais regarde, c'est bien ça. Regarde, tu la vois. C'était la même. It was fun. Tu vois, la plus bonne du jeu, hein. Pas elle, hein. Celle derrière là. Eh, hey, bouge ta gueule toi, c'est elle que j'aime bien. Oh là là, Théma, comment elle est belle, elle. Oh, je l'aime. Je t'aime, bébé, reviens. Wow. On peut pas avoir un autre épisode There's avec elle? Je reviens, oh je l'ai pas vu depuis. Elle dit pas à sa copine, viens avec moi, va, je vais te présenter ma pinko. Elle dit ouais, je te laisse là, pute. C'est ma. Oh. Mais arrêtez de me montrer elle, je veux voir mon bébé derrière, elle est où? Eh hey, bébé, reviens. Oh ma chérie Théma. Oh. Oh.
Oh putain! Le cousin de Mahmoud! My god! Don't you look stunning? Thank you. Oh, je l'aime lui. Talking fucking disco ball, darling. Come and talk to daddy. Viens parler à papa. I'm Louise. Louise, nice to meet you. Nice to meet you. I am Fraser Cranwell II. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Il vient de lui dire que t'es une disco ball parlante et dansante et baisante. Ten grams of Columbia's finest and four bottles of produce. It's for the owner. Jake Parkinson Roly Poly. I know him, good friend of mine. I know him, good friend of mine. What do you do for a living? Je viens de te dire, grosse pute, je suis dealer de coke. A job? Yeah. Oh, darling, not worked a day in my life. It's family money. Commence à le toucher avec sensualité, faire semblant d'être de la haute société, lui dire qu'il peut tout faire avec toi, sexuellement parlant. Bah oui, forcément. So, you're Porsche, eh? Well, now I know posh men like it dirty in bed, yeah? Yeah. Yeah. That's correct, yeah. Yeah? Well, I'm your correct, girl. Yes, it's true. Anything. Like anything. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, bah écoute, anything. Je vais te faire le R. Kelly dans ta bouche. Crikey. Crikey. Genre c'est un Australien le mec. Alors. In cream cheese and let it get warm. Let it ferment, you know? Yeah. And you can lick it off. You could lick it off, and maybe I could lick it off you. Yeah, and... I've got to be honest, darling, this is a little bit much for me. Oh, the mech! It's gone a little bit off course. I think it's time to tuck into some partridge with Jake. I'm going to be off, darling. No. All the best, okay? Take care. Bye-bye for now, darling. All the best. Mais reviens! Pareil, Pyro. Oh ma chérie, elle est là, bébé. So Charlotte, this cheese thing confused me a bit because this is cheese fermented. I have absolutely no idea. It's pasteurized. Attends, la meuf a dit ça, tu vas dire oh non mais attends non, excuse-moi finalement je veux pas. I've never heard of fermented cheese. No. And as a romancing technique either, it's new to me. What's your favorite cheese? Une bombe qui arrive pas à baiser, je te jure. I like all cheeses. How about you? I like mozzarella bufala, and I like brie, camembert, those kind of nice soft creamy cheeses. Yeah. Lovely. Soft and creamy, just like me. But no fermented ones? As far as I know, unless they all are. But I don't think they are. Allez, cire les pompes, toi. Faire semblant d'être de la haute société, commencer à le toucher avec sensualité. Allez, tripote-le, mais not sensuellement. Not work today, eh? No, never. I love your suits. J'adore ton costard. J'aime beaucoup son costard, ceci dit. So, what do you do all day? Do you like flying private jets and like yeah, you've hit the nail on the head. Yeah, you've hit the nail on the carpet. Private jets, shoot pheasants, drink Patron. You have like a helicopter pad. Absolutely, yeah. T'es mal le mec mal à l'aise. You're really shy girl, aren't you? Do you like have like a private tennis coach? I do, yeah. I mean, yeah, I do, yeah. Of course, I do. Yeah. Yeah. Et maintenant, je te suce. Non, c'est choquant ce que tu me dis là. Tu vas pas me sucer comme ça. Je suis pas ce genre de mec. En plus, j'ai le nez plein de coke. Du coup, je vais pas réussir à bander. So du coup, forcément, ça va me mettre mal à l'aise. Du coup, obligé de te donner un code ceinture pour que tu m'en sodomises. Et putain, c'est parti en couille quand même rapidement tout ça. Tu sors en boîte encore, Manu, rarement, les gars. Par contre, je me drogue beaucoup là. So tell me, my darling, what would your idea of romance be? Well, I suppose fine dining, nice holidays abroad, the odd really expensive gift here and there. Allez. Nice. Casual little things. Tell me, what la coque, ça fait bander. Non, c'est l'inverse. You know, ça t'empêche de bander. Steve Holmes m'a raconté une histoire là-dessus d'ailleurs, qui était assez drôle. Are you a fan of Milan? Milan, yeah, sure, I like Milan. Yeah, I like all places that are quite fashionable, you know. You know what, darling? I don't mind saying this. I'm becoming terribly fond of you.
J'ai pas peur de le dire, hein. Je commence vraiment à te kiffer, meuf. Oh, lui proposer de vous revoir un autre jour. Faire la danse du coup de tête. L'emmener dans les toilettes pour un petit coup rapide. Ouais, ouais. Et le mec il dit, oh mais non, Louise, attends, je m'attendais pas à ça. Non seulement tu as le prénom de ma grand-mère, mais m'emmener dans les toilettes, je ne sais pas. This might sound a little bit forward. Give it to me. Believe me, I never do this. No judgment here, darling. So, I just think we go and get crazy. Like now, like, I mean, on the way in, I saw a disabled toilet and it had mine and your name all over it, baby. I'm thinking we just get wild and just, I mean, yeah. I'm horny. Yeah. You can tell that I'm a risky baby. Yeah, okay. I've got to be honest, me and my old boy don't work too good after 2 grams of cocaine, but... Exactement ce que je disais, putain. Non. C'est pas ce que j'ai dit ou pas? J'ai dit exactement ça. Il a dit oui, moi et mon petit gars, après 2 grammes de coke, on fonctionne pas trop bien. Je vous l'avais dit le scénar, ou je l'aurais pu l'écrire moi-même ce scénar. Putain, on va faire genre ça, c'est un micro. Drop de micro. Je vous l'ai dit ou pas? Alors là, c'est qui le professionnel de la séduction? Ah ouais, ton sac plein de coke. Ah, Théma, il a failli faire tomber la meuf là. Il a failli faire tomber la vieille. Christ! I've forgotten my Viagra. J'ai oublié mon Viagra. Il a dit, oh merde, j'ai oublié mon Viagra. Christ, okay, Jésus. So this guy's the good catch. So obviously, having sex with him that quickly. Right. In a public restroom as well. Oh man. And not sanitary. 2 minutes 30 plus tard. Oh ma chérie, t'es là. Tu sais pas très bien danser, ma chérie, mais. Oh. What's the worst 2.5 minutes of my life, Nino? Les pires 2 minutes 30 de ma vie. He's working. Oh fuck off! It's too late. Darling, do you like pheasants by any chance? Elle repart en mode chasseuse. Eh, je la tue. Je la tue. Ah, ça annonce la fin de soirée, là. So, alors did you chat any guys while I was away? Nothing? What about that guy? Et celui-là là-bas, il est BG. On dirait un personnage de dessin animé japonais. Non, pas lui. C'est la sœur de Big Boulet, elle aime pas les Chinois. Cool, that's the right option. And, you know, it's funny the difference in the way women and men approach things. So men obviously are very visual, like we know. But women often wouldn't be attracted to that kind of model-looking guy. T'as toujours la dalle, Manu. Especially in this situation where he looks boring and bored. Elle est super fraîche, je la trouve super fraîche. Women might think they're attracted to model-looking guys on paper, but for me, it's definitely about the spark and the chemistry and the personality. Mito, 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 mito. On est tous à la base attirés par le physique. Tous, femmes, hommes, à la base, c'est le physique. Point. Après, tu discutes et tu connais un peu mieux les gens et après, tu as envie de faire plus ou pas du tout. Mais au début, le premier truc, et surtout quand tu es dans des situations, dans un bar ou un truc comme ça, c'est toujours le physique. Faut arrêter les mythos là. What about that guy? Looks funny. Comment ça? Mais non, définitivement pas. That one. He's so drunk he can't even stand up straight. It's
be sick all over me. I'm gonna get a shit car. Ah, j'aurais dû le prendre, merde, j'aurais dû dire oui. Le mec bourré. Sorry. Tu te poudres le nez ou pas? Mais vous savez que les acteurs et les actrices porno, on drogue tous, bien sûr. Drunk guy is not gonna work for many reasons. Yep, I think that's clear. Il est trop mignon. Ah, ça sent le psychopathe qui découpe des meufs dans sa cave, lui, non? Allô, bébé, qu'est-ce que tu fais? Rien, ma chérie. Je suis juste à la maison en train de faire du bricolage. Allez, on va être obligé. Elle va finir en morceaux, elle. Yes, he is. Il est trop mignon. Le seul truc que j'aime pas quand elle met son dos comme ça. Ouais, le seul truc c'est qu'il est en train de regarder son mec en train de danser sur la piste. Info sûre, il est en train de regarder son mec en train de danser sur la piste. Désolé. It's the wrong choice if you want to get laid. Exactly. Because he's too nice. Quoi? Bah non alors. That guy. Right? Yes, but for me. You of course, yes. And would we eat him for breakfast? He wouldn't last 5 minutes. No. Bon, vous avez compris que si vous êtes trop gentil, si vous avez l'air trop mignon, trop gentil, vous n'êtes pas des baiseurs, c'est ce qu'ils viennent de dire. That's the right option and, you know, shy guys, c'est quoi ce jeu de clochard? Major Guardian, je te permets pas d'utiliser ce genre de mots pour le meilleur jeu de tous les temps. Elle est encore plus Nadal que toi. Eh, mais une meuf comme ça qui me rencontre en boîte, elle est trop mal. Elle est trop mal. L.O. qui rejoint la team Canette à partir de maintenant, nous sommes frères. Merci. 756 subs. Putain, la route sur les 800, les gars. Bam, 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 bam. Ça fait une demi-heure qu'on est sur la même musique, hein. Le DJ, oh putain! Le mec il s'est mis en BG dedans, bah oui! C'est lui qui a écrit le script. Hein. And the right amount of crazy, so... Elle a pu dire ça juste en le regardant 2 secondes. Yeah, perfect. I'm gonna go for this. Ben oui, fallait pas maintenant. Okay. Au contraire, on veut que Richard y ken. Putain, il a pas réussi les autres fois. Oh, oh, oh. Merci TSEMA qui rejoint la team Canel à partir de maintenant de son frère. Boom, there you go. Obviously the right decision. Obviously I'm the man for the job. Yeah. Merci beaucoup, Kerion Sama, qui rejoint la team Canette. À partir de maintenant, nous sommes frères. Oh, ah, ça marche toujours, ça. Le mec qui se met... J'adore quand je vois des photos de mecs et qui font ça. Quelle photo de beauf. Hey. Hey. How you doing? I'm good. I saw you with that guy, Cranwell, whatever he is, that posh knob, you know? Oh, he's just a friend. There's such funny rumors about that guy that he can't get it up. He's still it anyway, I'm saying too much. I wouldn't know. Hey, comment il a le rythme dans la peau? I'm wrong, but were you checking me out earlier? Et sa veste H&M. Rire et dire peut-être, lever les yeux au ciel et tu te crois malin, tu me prends pour une idiote. Voir s'il aime se faire ploter. Vas-y, plote, ma chérie. Yeah, I thought so. Yeah, you're just my type. All right, good to hear. All right, good to hear. I mean, do you like a bit of fluff and tickle? Yeah, you like that? Yeah. T'aimes ça, hein? Ouais, t'aimes ça, hein? Ouais, t'aimes ça, hein? Allez, t'aimes ça, hein? Tu vas lui mettre des claques sur le cul, hein? Sexual harassment. Fucking nutter, yeah? Just stay away from me. I said you liked it.
J'aime trop la meuf choquée. That was totally diabolical. Absolutely ridiculous. Diabolique, mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais aux hommes, toi? Allez. Maybe, but you obviously noticed me too. Maybe it's good enough for me. And yeah, of course I noticed you. Do you know why? You hold that strong, confident eye contact, and I like a confident woman. J'ai rencontré absolument zéro meuf comme elle. Pas faux. Nice one, that's the right option. It's kind of the right middle ground, a little bit playful. J'ai rencontré bien pire. You know, I really like your style. You look really cool. J'aime, and I like j'aime beaucoup ton style et ta veste well. H&M qui est pas à ta taille. You give good compliments. Hey, toi, tu danses trop bien. Elle aurait dû lui dire, hey, je trouve que tu danses trop bien. Nice to meet you. Nice to meet you. Et de profil, il est taillé dans une arbalète quand même. Comme une arbalète, pardon. Oh là. Lui dire que tu es vierge. Lui dire qu'il est super et que tu as couché avec des mecs bien pires que lui. Lui demander trois de ses qualités. Bah, bien sûr. You know what? What? I've woken up in the morning after nights like these next to some really horrible guys. So, hey, if this works out, I'll be winning tonight, Richard. Yeah, you might be. I don't know if I will, but that's all right, yeah. Oh merde, la réponse du gars. The thing is, I think guys want to feel special. So, if a woman's no, guys don't want to feel special. They want to fuck. He shouldn't feel like she's doing it every day. What? And the same in return. They don't want arrêter les hommes veulent être se sentir spéciaux. Papa. Qu'est-ce qu'ils veulent les hommes? Ils veulent une seule chose. Pas tous, mais en majorité. Ils veulent ça. C'est ça qu'ils veulent, les hommes. Ils veulent fuck. Ils veulent fuck. Yeah. All reverse. All. Exactly. Combien de fois tu peux le faire en une nuit? Voir s'il te paierait une bouteille de champagne. Lui montrer ton imitation de Catwoman. Je suis très curieux de cette imitation de Catwoman, du coup c'est ça qu'on va faire. You like comic books, yeah? Yeah? You like... J'adore les meufs qui te posent des questions et qui donnent la réponse. You like Catwoman? T'aimes les comic books? Oui! Yeah. T'aimes te prendre un doigt dans le cul? Oui! Catwoman, right? She's really sexy. She's really sexy, right? Oh my god, I'm glad you said that because I do the best Catwoman impression. Are you ready? Oh, wait, yeah, give it to me. Qui l'a fait le mieux, elle ou moi? Stay still. That's not really what. Yeah. Listen, hang on a second. Let me show you my Batman impression. Let me show you my Batman impression. What's this? You ready? You ready? Yeah, that's good. Richard, tu m'as déçu. Tu nous as tous déçus, Richard. Tu nous as tous déçus, Richard. Nous, on croyait que t'étais un vrai gars. Du coup, elle va se taper le petit gros avec la veste rouge. Now after that, are you gonna do it again? Combien de fois tu peux faire l'amour en une nuit? So, what's your record in one night? La position de Nacho où il écarte les gens. Your record? Yeah, record of. Je sais pas, je connais pas, je sais pas ce qu'il fait, mec. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde pas ce qu'il fait, ça m'intéresse pas. Mais arrête, Richard! Oh, c'est chelou. On t'a entendu demander des trucs bien pires aux meufs, Richard. N'oublie pas ça. J'aurais du mal avec une meuf coquée comme ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est coquée? Je comprends pas. Parce que la meuf, elle a la patate, elle a de l'énergie, elle est coquée, forcément. Con, 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 con.
Mammouth va rappliquer, je te jure. So this is a bit of a challenge. Donc la bonne solution, c'est de se faire payer une bouteille, belle image. Grave. Bit too much. Does it matter? Like, what if he says he can do it 5 times in a night, but each time is 1 second? Right. I just think it's pointless. Doesn't really, don't really get anything out of it. My friends in Rio, in Brazil, they said that women. Il s'est branlé dans un pot de fleurs. N'oublions pas, oui. Times in a night, and that it's all very, I don't know, competitive and challenging, that the guys are really struggling. C'est top, c'est tout, on va pas se mytho. Ah, parce qu'une meuf qui assume sa sexualité, c'est une pute. Une meuf qui a envie de ken, c'est une pute. Par contre, un mec qui a envie de ken, c'est pas une pute. Allez, arrête, 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 arrête. Spitz Calibou. Arrête, c'est pas parce que toi t'assumes pas sexuellement ou que t'assures pas sexuellement qu'une meuf ou une meuf ou un mec qui assume et qui assure sexuellement, forcément c'est des putes. Toi tu gères pas ta vie sexuelle, c'est pas notre faute mon gars. Faut arrêter un petit peu de dire tout de suite c'est une pute la meuf. La meuf elle s'éclate, elle sait ce qu'elle veut, elle a envie de ken, point. Maintenant toi, forcément tu dois pas vraiment assurer pour faire ce genre de remarques. Je suis sûr que j'ai raison là-dessus. Sinon, jamais tu dirais ce genre de truc. C'est les mecs qui ont le plus faim qui font ce genre de remarques. Faut arrêter un petit peu. Une meuf qui s'assume sexuellement, laissez, laissez. Oui, c'est une pute, une pute. Allez, arrêtez un petit peu. Allez, s'assurer qu'il n'a pas de MST. Le taquiner sur son téléphone. On s'en bat les mecs, on s'en bat les couilles des MST, on le sait très bien. Sans les autres let's play de Super Séduceur. Manufa, il n'y a que le 1 sur YouTube. C'est à Bloirvest qu'il faut dire ça. Merci De Niro de rejoindre la team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. Au pire, c'est son cul qui prend. Elle en fait ce qu'elle veut, exactement. Tu t'amuses tellement plus avec une meuf qui assume. Grave. Red Wing qui rejoint la team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. Putain, on arrive à 760 subs. Putain, j'ai jamais autant de subs de ma life. Dans la vraie vie, tous les mecs de boîte seraient en chien sur elle. Grave. Grave, arrêtez de faire les mecs. Faut que tu fasses acteur chez Super Séduceur. Alors, lui dire que tu as un autre rendez-vous bientôt. Te comporter de façon obscène, le complimenter sur ses jolies petites mains. Juste pour le mettre mal à l'aise, on va faire ça. Boum. Si j'étais une meuf, je serais la plus grande des salopes. La plus grande des salopes, ce serait moi. Version moi, homme salope, en version femme salope. Mais arrête, non, non, ne le fais pas, arrête, non, harassment, harassment. Please, security, help me! Mais oula, c'est quoi ce jeu? Tu serais aussi dans le porno si t'étais une femme? Sûrement, ouais. Grab your popcorn, j'aurais tellement aimé assister au tournage des scènes. Mais moi aussi, grave. J'aimerais. Je kifferais. Écoute, si me contactait en me disant, Manu, j'aimerais bien que tu sois. Que t'aies un rôle là-dedans. Eh mec, mort de rire, je le fais direct, j'y vais gratos ce truc. Lui dire que t'as une autre rendez-vous bientôt, le complimenter sur ses jolies petites mains. Oh, t'as de jolies petites mains. Oui, c'est bien d'avoir des petites mains. Du coup, t'as l'impression, quand je tiens ma bite, qu'elle est vachement plus grosse. Une meuf qui dit ça, tu réagis comment en vrai? Mais je l'enchaîne direct, les gars, vous avez pas compris. Awesome. That's the right choice. C'était le bon choix. Lui dire qu'il avait des petites mains. What plans you got for the weekend? Then I'm gonna go see my family. I've got work on Saturday, but Sunday I need to chill, so I'll probably have a massage or something. Nice. Je peux te faire un massage, moi. Maybe I'll get a massage. That's a great idea. When's it a bad idea?
Oh, hey man, how you doing? Oh, you je savais right? qu'il allait arriver. What's that all about? Did I tell you I work in pharmaceuticals? Oh, il est dealer de drogue. Non, 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 on va pas taper de crise pour ça. T'es dealer de drogue. Quoi qu'il se passe, t'allais lui dire. Wait. No, hang on a minute. That guy's got severe hay fever. He could die at any minute. So it's just extra strength, extra strength antihistamine. Mytho, le mec il est en boîte. Il aurait pu mourir parce qu'il a un gros rhume. Excellent, that's the right option. C'est tout? C'est tout? Cool. So normally women that are looking to be approached more will kind of look every time someone new comes into the bar. They'll make eye contact more and they'll be less interested in their friend and more interested in what's legit le rhume, le mec est en boîte. Oui, j'ai un gros rhume. T'as pas un truc pour mon rhume? Be in the center of the room so they can be approached more. Tu conclus jamais? Bah si, là, elle a emmené le mec chez à la obviously, maison, non? There's a physical aspect, so often, forcément, il a serré le mec, là. La meuf, elle a serré. Finalement, je me rends compte que je suis mieux en meuf. Je serre plus en meuf qu'en mec. C'est bizarre, quand même. Non? Si? Tu trouves ça bizarre ou pas?